la belle vie. Eh oui, j'ai fait des courses, hein. Alors, j'ai pris du pain tranché, moins de sucre, sans additifs, je l'ai payé 1,89€. J'ai pris des crêpes, je les ai payées 10 centimes de plus qu'au supermarché, 1,95€. Ce sont des crêpes bretonnes Saint-Michel. Franchement, elles sont trop trop bonnes, j'en mange plein. Vous savez comment je les mange? Je prends une banane et je mets ça et je l'entoure avec la crêpe. Des tomates, j'en ai eu pour 1,50€. J'en ai eu pour 1,80€. Je dois dire que ça me fait même pas de joie. Il y en a 5, mais ça me fait même pas de joie. J'ai pris des lasagnes au saumon. Alors, des lasagnes au saumon, poireaux cuisinés. Je pense que ça doit être une tuerie. J'ai pris d'autres plats, mais il me manque plein de choses, je crois. J'ai pris du bœuf à la provençale, Weight Watcher. J'ai payé 3,39€. J'ai pris 4 œufs, je les ai payés 1€. J'ai pris des petits pains pasquiers, je les ai payés aux céréales et pavots, je les ai payés 2,25€. Alors par contre, je les ai payés un peu cher. Du pain de mie, je l'ai payé 76 centimes, qui dit mieux, hein, qui dit mieux. 1€ mes 10, mes petits pousses d'épinards que je prends tout le temps. Du steak tartare comme j'achète tout le temps, ouais, ben ça, il n'y a pas photo, hein. J'adore. 4€, même pas, je crois. 1,19€ de la mozzarella, 1,09€ la galbanie. Franchement, avec les tomates, ça va être parfait. De la mousse de canard, 1,19€, les deux petites trucs comme ça, c'est sympa et ça entame pas le paquet. Par contre, le packaging, l'emballage, il a un peu souffert. Des clafoutis aux abricots, bah, vous savez que j'adore, hein, de toute façon. Alors, je comprends pas parce que j'ai cru que j'avais... Bah, j'en ai repris 3. Ah non, double plaisir mangue. On va pas dire que j'aime pas la mangue, hein, je vous le dis. Hein. 1,89€. Mais je comprends pas parce que j'en ai pris que 2. Ils m'ont dit qu'il y en avait plus. Bref, un filet d'aigle fin, bon, que je vais congeler. Hein. Du loupérac bio, je l'ai payé 2,20€. 1,80€ le Lerdammer 8 où je fais un malheur. Quand je vous dis que c'est le même prix, vous pouvez vous abonner. Hein. Vous allez à la belle vie, vous commandez, vous avez 10€ avec mon mail. Alors, mon mail, c'est ce soir on va se marrer @gmail.com. On ne le marquera pas. Je vous dis ce soir on va se marrer tout attaché @gmail.com. Mais on ne le marquera pas parce qu'il y a toujours des gens qui sont de mauvaises intentions. Au lait de nos éleveurs bretons, Entremont, dégustation fruitée. 2,20€. En fait, c'est des choses que j'ai achetées, mais que des nouveautés, quoi. Ça, je l'achète tout le temps. Je le paye 1,19€. Le mini 4 quarts, ça me va tout à fait. Le roucoulon, je l'ai payé 2,09€. Je l'adore. Et là, vous avez, ben, voilà, mes yaourts à la mangue. Et vous avez ceux aux mandarines citron vert. Et là, j'ai fait une nouveauté, c'est une crème chocolat banane. Je sais pas, je me dis, j'aime le chocolat, j'aime la banane. Mélanger, ça doit être un truc sympa. On verra bien. En général, j'aime pas, mais on va voir. Une pizza chorizo, 1,37€. Des frites. Je les ai payées 2,20€. Par contre, ça, je les paye cher. Les 4 saucisses, parce que pour moi, j'en ai pas besoin de plus. Je les ai payées 2€. Ça, j'ai payé 1,49€, je crois, quelque chose comme ça. Carottes râpées, duo, betterave et carottes. Franchement, regardez, il y a tout ça. Et là, j'ai pris pour 2,29€ ou 1,89€, je ne sais plus, des liégeois à la fraise parce qu'à la framboise, c'est pas possible. Et du torti au surimi. Maintenant, nous... Voilà. Donc, la ciboulette, elle est là. Bah, écoutez, j'espère que ce pack La Belle Vie vous aura plu. Et puis, la baguette aussi. Une super baguette, regardez. Ouais, d'habitude, elle croustille, mais bon, là. Voilà. Je vous montre. Bon, je me montre parce qu'il faut que je vous montre. Regardez, je prends le truc et regardez. Non, mais il n'est pas en verre. Hein. Il aurait été en verre, c'était pareil. Hein. Ce qui vient de m'arriver. Non, mais je rêve. Non, mais vous vous rendez compte leur packaging, comment il tient? Regardez. Putain. Vous avez vu? En verre, et ben voilà ce que ça aurait pu faire. Heureusement qu'ils ne sont pas en verre. Je n'ai pas vu que c'était la laitière, sinon je ne les aurais pas pris. J'ai envie de vous montrer, j'ai eu ça en cadeau. Une barre. Sans huile de palme, heureusement. C'est avec du chocolat, sel de mer, amandes, noix au Brésil, du Brésil et noix de cajou. Je pense que ça doit être une tuerie. Voilà.